Oh, Petra! Je vous dérange? Jamais! Si, je vois que je vous dérange. Je repasserai plus tard. Et voilà, pour une fois qu'elle vient dans mon bureau, avec un truc à me dire, je suis à poil au milieu de la pièce, Daniel, tu le crois, ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, regarde. Elle est trop bien pour moi, cette fille. Elle est belle comme c'est pas permis, elle est déjà commissaire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'un petit inspecteur? Oh là, ça y est, hein? C'est pas bientôt fini, là, le bureau des pleurs. T'es là en train de creuser ta tombe, là, comme un coquère sans pattes. C'est pas la SPA, la gonzesse, là, hein? Ça marche pas au gasoil, des engins pareils. Ce qu'il lui faut, c'est un homme. Alors tu vas te redresser, parce que là, t'as pas vraiment l'air d'un homme, t'as plutôt l'air d'un singe. Redresse-toi! Voilà! Et maintenant, tu vas la voir, tu la penches en arrière, et tu lui enroules une, c'est tout! Soit tu colles une baffe directe, soit tu l'accroches pour 10 ans avec un truc pareil. T'as une chance sur deux. Mais au moins, si ça marche pas, tu le sais tout de suite. C'est un peu comme au tac au tac, tu grattes et t'as la réponse. Emilien, ça va? Oh, ça va? T'as raison, va, faut pas s'emmerder. Tac au tac, je gratte, j'encaisse. Aïe, aïe, aïe. Il avait une chance sur deux. Il se rattrapera au tirage.